Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Taro et donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de labyrinthe du Minotaur. Donc cette vidéo sera en deux parties, une partie pour comment aller jusqu'à la salle du Minotaur et une partie pour traverser le labyrinthe sans aucun souci afin de rechercher les reliques. Et oui, parce que pour faire ce donjon il faut les deux reliques, le Téminoball et le Mominotaur. Et donc on va donc voir en premier comment accéder au boss, ce que je pense un des trucs les plus importants. Alors, donc vous ouvrez ce levier, le levier de la salle 6 à droite. Vous allez en salle 2, vous descendez. Vous ouvrez le levier du haut, vous ouvrez le levier de droite. On descend. Et ici, on ouvre ce levier. Et on demande à retourner à l'entrée. Ce qui fait que vous n'avez juste, enfin, après avoir fait tout cela, vous allez tout à droite, hein, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Enfin, normalement, c'est la salle 3. Si jamais c'est encore ouvert là, testez quand même pas. Et on descend de deux maps. Et voilà, vous êtes à la salle 13. Vous parlez au machin en lui montrant les reliques, et c'est magique! Vous avez accès au Minotaur. Donc on va désormais passer à la deuxième partie. Consiste à voyager à travers le labyrinthe. Donc pour ça on a besoin de deux personnages, et oui, on ne peut pas faire cela tout seul, ou sinon c'est très dur et je vois pas trop comment. Donc vous faites un perso en bas, un perso en haut. Normalement je fais l'inverse, tant pis. Enfin l'inverse. Alors celui de la salle 2 ouvre le levier du bas, ce qui permet à celui de la salle 6 de passer en dessous. Donc c'est simple, le principe c'est qu'il en faut un haut, un bas. Là, enfin, avec ça vous pouvez faire absolument toutes les salles, c'est-à-dire toutes sauf la 13, mais la 13 vous savez déjà comment y aller. Le principe c'est toujours qu'il y ait un perso ici, un perso là, un perso ici, un perso là. Là, par contre ce sera un perso qui sera ici et le perso qui fera tout là, le coude. Donc on va y aller. Alors, la technique est très banale, il suffit en fait d'ouvrir à chaque fois les leviers qui est à la case de l'autre. Enfin, vers la salle de l'autre. Donc, on sait que Taroy est juste en dessous. Voilà, Taroy est en dessous, mais les deux leviers sont, les deux trucs sont fermés. Donc si je fais ça, ça ouvre à Taroy. Et Taroy, il fait le levier du haut. Et voilà. Donc il passe tranquillement, et Tashigo passe tranquillement. Et vous faites cela à chaque fois. Hop, par contre je crois que c'est le coude ça. Voilà. Pour le coude, c'est un peu plus compliqué. Vous ouvrez d'abord ce levier, pour celui qui est ici. Hein. Celui qui est ici, il attend. Vous ouvrez donc celui du haut et celui-là. Hop, ainsi celui-là va pouvoir aller ici, puis redescendre. Et donc le coude a été réalisé avec brio. Il n'y a absolument rien de dur. Hop, on va changer de musique. Non, ça j'ai entendu que c'était bruit. Ça bouge pas assez. Je change les musiques en directement en vidéo. Bon, celle-là, ça a l'air d'aller. Alors, et donc là, on change de côté. Non, c'est nul. Bon, on va aller garder ça. Même si c'est pourri. Donc, c'est désormais, on descend les deux en activant celui à droite ou à gauche. Hop. J'active donc celui-là, et là j'active celui-là. Et donc ainsi, vous faites tout le tour pour trouver le Mominotaur et le Déminoball tranquillement, sans souci. Sans problème. Vous pouvez même faire une petite chasse aux archis, puisque les archis pop facilement. Hein. Ah, je suis peut-être allé un poil trop. Voilà. C'est là qu'il faut ouvrir. Voilà. Et donc on fait le... C'est un nouveau coude. Hop. Et donc vous pouvez vous déplacer tranquillement. Je pense que ce tuto est terminé. Il n'y a pas besoin de vous présenter vraiment davantage. Non, je me suis chié, je crois. Voilà, c'est en bas.
C'est que bon, normalement, c'est Taroy qui est à l'extrémité. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Taroy. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.